Bonjour mesdames, messieurs. Après mon engagement associatif en 2000 pour la création de la structure multi-accueil des enfants d'abord, je me suis engagée voilà 6 ans avec un projet qui s'est inscrit dans le temps afin de faire prospérer notre commune en tirant parti de ses atouts. Ses atouts, un cadre de vie à la campagne à 2 pas d'une zone urbaine. Une localisation à la croisée des grands axes autoroutiers, 4 heures de Paris, 2 heures de Bordeaux et 1h30 de Nantes. La commune se nourrit des empreintes qu'ont laissées les équipes successives. Et à l'aube des élections municipales de mars 2014, le moment est venu de dresser le bilan depuis 2008. Le patrimoine communal a été valorisé à travers divers investissements. Notre proximité et notre écoute ont permis de tenir compte des besoins. La salle des fêtes a fait peau neuve et aujourd'hui, non seulement elle est très utilisée, mais son coût de fonctionnement a diminué. Le cimetière est un lieu de recueillement serein de par son aménagement. Certains espaces publics ont été sécurisés, d'autres ont été aménagés, favorisant des loisirs de proximité. La programmation culturelle a connu de nombreuses innovations. Quel merveilleux moment avons-nous passé au spectacle du gospel et d'autres. Pendant ces 6 années, notre souci quotidien a été de cultiver une qualité de vie pour tous et avec tous, dans le cadre d'un budget maîtrisé, dans un contexte de réforme territoriale où nous devrons être acteurs et réactifs pour assurer le bien-être et le bien-vivre pour tous. Alors, poursuivons notre action vers un avenir qui nous rapproche.